Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, avec vous, Philippe Gueluc, Valérie Mérès, Sylvie Boulet, Gérard Miller, Christine Bravo et Isabelle Alonso. Je voulais juste, moi, dire que je voudrais introduire une plainte devant le Tribunal international des droits du chroniqueur. Oui. Parce que figurez-vous que ma voisine, là, qui vient avec ses chiens à l'émission, oui. Ils étaient là tout à l'heure, ils ont fait caca devant ma loge. Mais, parce qu'ils n'aiment pas les chats. Oui, mais enfin, c'est pas une raison. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Stevie, vous, alors? Oh, il a le bas qui fait Dior, le haut qui fait banlieue, c'est pas possible, ça. Non, c'est beau. Moi, j'aime bien. C'est très beau. Ah, oui. Il est très élégant, ouais. C'est très beau. Merci. Pour un beurre et de banlieue, écoute, franchement, je trouve vachement bien ça. C'est vrai, d'ailleurs, vous avez votre carte de séjour, là, vous avez Monsieur Sarkozy, là. Hein, oui, ben, j'ai vu. Vous avez vos papiers, vous, Stevie? Ah, mais je suis français, moi, je suis né en France. Ça fait rien. Ils vont être emmerdés, c'est un demi-beurre. Quand ils vont l'expulser, il va falloir l'expulser que la moitié. Ça sera la fuite des cerveaux, alors. Le mot qui a longtemps qu'il a fui. Je débarque aux États-Unis. Allez, il est temps, Gérard, de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle du match d'hier soir, France-Costa Rica. On a gagné, mais quand même, au départ, ça s'est mal passé. Les Français étaient menés 2-0 à la mi-temps. C'est clair, il ne fallait pas mettre Laurent Fabius dans les buts. Sale temps, en effet, pour les chauves hier. Que ce soit chez les Bleus ou chez les socialistes, Hollande l'emporte sur Fabius, coupé sur Barthez. On commence à dire que Barthez fait trop d'erreurs. Fallait bien que ça arrive un jour, qu'on commence à lui cracher dessus, à lui aussi. Et alors, côté socialiste, puisque ça vous intéresse plus que le football, mon cher Gérard, c'est tellement le bordel que pour le congrès du Mans, qui se déroulera du 18 au 20 novembre, faudra pas s'étonner si celui qui arrive en tête, c'est lui. Ça va pas, c'est parti socialiste, non? C'est drôle de revoir une photo de Stevie quand il était jeune. Non, mais c'est quoi cette photo? Elle est horrible. C'est surtout la coiffure, on a l'impression qu'il y a un postiche. On comprend pourquoi il met un bonnet maintenant. Vous avez remarqué, il y a toujours un regard ironique quand on revoit des anciennes photos. Mais pour nous, c'est des photos d'il y a 15 ans ou d'il y a 25 ans. Lui, quand il voit une photo de la semaine d'avant, il est mort de rire. Alors Gérard, écoutez, votre Laurent Fabius, là, il a perdu. Hein. Les socialistes font ce qu'ils veulent, franchement. Ah oui, mais enfin, votre Fafa, votre candidat, là... Oui, mais j'ai des copains de l'autre côté, donc ça va aussi. Il a tout prévu. Oh. Alors, les dessinateurs, cette semaine, dans la presse satirique, s'en sont donnés à cœur joie sur ces émeutes et sur ces problèmes en banlieue. On commence avec ce dessin de Pétillon dans Le Canard enchaîné qui nous emmène à l'Élysée. On voit le président qui réagit, dit « Je ne suis pas resté inactif, j'ai réussi à imposer la paix entre Sarkozy et Villepin. » Pétillon dans le même journal, toujours, avec ce dessin où on voit cette fois Chirac face à la carte de France qui dit « Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de banlieues. » Ça, c'est un dessin formidable parce que non seulement il est drôle, mais hélas, il est vrai. Et Pétillon encore, dans le même journal satirique, qui s'interroge, Sarko a-t-il mis le feu aux poudres? Et on voit Sarkozy qui dit, de toute façon, ça aurait explosé un jour. Et Chirac à côté qui n'y avait pas urgence. On retrouve le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, interpellé par un jeune de banlieue. C'est Rançon qui fait ce dessin. Et on voit le jeune qui dit à Sarko « Je comprends que tu sois mal dans ta peau et inquiet pour ton avenir, Sarkozy, mais c'est pas une raison pour foutre le feu à la banlieue. » Dans Charlie Hebdo, Kabul, lui, nous croque un Sarkozy aux abois. Et le ministre crie « Cécilia, tant que tu reviendras pas, je foutrai le feu aux banlieues. » Isabelle. C'est quand même tout à fait dramatique que depuis des années, les filles des banlieues essayent d'attirer l'attention sur les bandes de ces jeunes barbares qui se conduisent d'une manière atroce, parce qu'il faut quand même le dire. Tout le monde s'en fout, il n'y a jamais un Premier ministre qui descend dans une cité, mais quand on brûle les bagnoles, là, tout le monde réagit. C'est vrai. C'est pas pour dire, mais... Bravo. Ouais, vous pouvez réagir, hein, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, merde. Le dessinateur Sharp dans Charlie Hebdo a lui noté la présence de Philippe de Villiers sur le terrain, voilà. Sans commentaire. Dans Le Canard enchaîné, le Fred Touron nous prouve par un dessin que le mal est plus profond. Regardez, on voit deux jeunes de banlieue, il y en a un qui dit « Mais Rachid, tu viens d'incendier ta propre voiture !»
Quand je te dis que je suis en colère, réponds l'autre. Un dessin tout proche de celui-là, d'ailleurs, signé Rançon dans Le Parisien. On voit des flics, un jeune arrêté, et un flic qui dit « On va devoir garder ce mineur que vous avez arrêté, son père ne peut pas venir le chercher, on a brûlé sa voiture. » Même sujet, Sharp dans Charlie Hebdo, drame familial en banlieue. On voit une maman qui dit à son fils « Et comment ton père va aller à son chômage maintenant ?» Atroce. Heureusement, Delambre dans Le Canard Enchaîné a peut-être trouvé l'homme de la situation. C'est Jean-Pierre Raffarin, on l'a oublié. Il dit « Si vous avez besoin d'un spécialiste de la France d'en bas. » Et on passe à la réouverture en appel du procès d'Outreau, un autre sujet avec Grosse dans Marianne qui nous montre le juge qui dit « Faites entrer les innocents. » Et pour boucler la boucle, un dessin de Philippe Geluck dans VSD, les services d'urgence psychiatrique sont débordés et réclament un cessez-le-fou. Nous allons maintenant accueillir un candidat à la présidentielle 2007. Non, pas Nicolas Sarkozy, il est pris en ce moment. Pas Lionel Jospin, ça n'a plus d'intérêt. Encore moins Dominique de Villepin, lui aussi est très occupé. Non, il s'agit de Roland Castro, l'architecte urbaniste, inventeur du remodelage urbain à l'époque de François Mitterrand. Et depuis quelques jours, Roland Castro est officiellement en campagne et propose 89 solutions pour rétablir le lien social. Au moins, il a un programme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Castro, président, ça a marché à Cuba, certains disent. Pourquoi pas en France, nous allons tout de suite tester ensemble cet invité qui va évidemment nous parler aussi du problème des banlieues, monsieur Roland Castro. Vous aviez déjà créé il y a un petit moment votre mouvement de l'utopie concrète et publié en début d'année, ou en tout cas dans le premier semestre, Manifeste pour une insurrection du sens. Roland Castro, j'affirme, c'est déjà une sorte de pré-programme. Yes. Mais est-ce que vous êtes sérieusement candidat à l'Élysée? Absolument. Oui. Absolument. Expliquez-nous pourquoi. Parce que il se trouve que j'ai, d'abord j'ai une longue histoire, j'ai conseillé beaucoup de princes, dont un qui était... un prince intéressant, en tout cas un personnage complexe, François Mitterrand. Et je trouve que finalement, après avoir conseillé beaucoup de gens, je trouve que la bonne idée, c'est de faire prince soi-même. Mais alors justement, il vous avait confié, François Mitterrand, le soin de faire une mission, rénover les banlieues. Alors aujourd'hui, on va vous tomber dessus en disant bravo, ça n'a pas marché. Ouais. Là où on a transformé vraiment les quartiers, il n'y a pas eu d'incident. Ah en bon tout cas, à Lorient, au carré de la Vieille à Dunkerque, et à la Caravelle Avenue Garenne, il n'y a rien eu. C'est un endroit où on a travaillé 12 ans. Tout ça demande un temps fou. Vous aviez été à l'origine de la création du ministère de la Ville, c'était en 89. Exact. Alors, à l'époque, on avait un grand plan de rénovation urbaine, parce qu'il faut désenclaver les quartiers, les embellir, qu'ils puissent devenir attractifs pour les autres, enfin, etc., etc. Pour faire tout ça, il fallait une volonté de faire. Ça prend un temps astronomique. Il faut des conditions idéologiques, il faut les meilleurs profs, il faut, et d'ailleurs dans mon proposition, moi je mets par exemple, qu'il faut que tous les profs du supérieur de ce pays aient une obligation de service dans une ZEP. Alors là, moi, je suis d'accord avec vous, moi j'ai été instit, et là je dois dire, c'est un scandale, en tant que jeune instit, je n'étais envoyée que dans des quartiers difficiles, voilà, et j'ai eu à un moment, dans une classe, des mômes tellement difficiles, tellement à la ramasse, que je devais, moi, rééduquer, mais je n'ai pas su, j'étais trop jeune. Donc après un an, ils ne savaient pas lire, il n'y en avait pas un qui savait lire. Non, alors que si on avait mis un enseignant bien formé et bien avec de l'expérience, ces mômes auraient su lire. C'est on vrai. M'a envoyé moi et oui. Je ne savais et pas. On voit le résultat aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Franchement, la situation est suffisamment grave et enfin éclatante. Je dis simplement que tout le monde doit s'y mettre, pas seulement le gouvernement, pas seulement, bah, à mon avis, la droite et la gauche confondues votant un grand plan, mais en plus, à mon avis, les citoyens, ce sont nos enfants. Voilà. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je veux bien qu'on impose aux profs supérieurs, mais je lance l'idée et je pense qu'il faut qu'ils disent d'accord, on y va. Et pas un rond de plus. Moi, je suis pour augmenter les instituts et les profs de collège et pas les gens du supérieur. Soyons précis. Je suis pour augmenter les infirmières,
à l'hôpital. Des choses précises comme ça. Bon, voilà. Le nom de votre mouvement, en tout cas, est un nom très joli, le mouvement de l'utopie concrète, le MUC. Hein. Et alors là, vous, j'ai dans les mains un magazine qui est en kiosque depuis mardi, le TOC. Alors, entre le MUC, le TOC, alors le TOC, c'est quoi, TOC? Le TOC, c'est un canard, il y a des gens du MUC, c'est un canard pour une génération qui, à mon avis, se repolitise, ce qui est assez nouveau, une génération assez jeune. Isabelle Alonso, un commentaire. Alors, je voudrais quand même, parce que, imaginons, soyons utopiques, qu'en en mai 2007, le visage qui apparaît à l'écran, ça soit Roland Castro, élu président de la République. Quelles sont les trois premières mesures que vous prenez tout de suite, immédiatement, même si vous agissez sur le long terme, il y a des choses qui sont urgentes. Alors, vous faites quoi? Droit de vote des étrangers aux élections locales. D'accord. Réparation de l'ignominie française sur les anciens combattants des ex-colonies. Aujourd'hui, un combattant des ex-colonies depuis 61, s'il est sénégalais, il a deux fois moins qu'un français, il a un bras en moins, il a la Légion d'honneur. Hein. Il a, enfin, deux fois moins. S'il est camerounais, quatre fois moins, cambodgien, 12 fois moins. C'est horrible. Ça coûte 2 milliards d'euros, c'est-à-dire ça coûte ce que ça coûte. S'il faut, on prendra la réserve parlementaire et la réserve du Sénat. Le machin qu'ont les sénateurs et les parlementaires pour arroser les circonscriptions. Hein, voilà. Voilà. Troisième mesure, je mettrai à l'étude le remplacement de l'ENA par une vraie école du service public. Tout de suite. Tout de suite. C'est tout? Bah, trois mesures, on m'a demandé. Attendez, 89. 89, hein, on les a, les 89. Non, mais attendez, je vous ai dit ça en vrac. Elles sont formidables, les 89. Oui, mais on se dit, comment il va faire, quoi? C'est pas possible. Alors, le devoir de vote, ça, je trouve ça très bien, le devoir de vote. Oui, obligé. Comment, bien sûr. En Belgique, le vote est obligatoire. Je trouve aussi formidable le premier. Devoir de vote qui va de pair, il faut quand même le dire, parce que l'un n'irait pas sans l'autre, avec la reconnaissance du vote blanc, très important. Oui. Hein? Gérard Miller. Ah, Gérard. Vous connaissez bien. Attendez, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Alors, pour vous situer politiquement, on a compris que vous avez travaillé avec François Mitterrand. Vous êtes communisto-gaulliste. Voilà. Suivez-moi, si vous me résumez, je suis communiste, gauchiste, gaulliste. Je laisse pas de Gaulle à droite. Quand on voit ces propositions, ce qui est étonnant, c'est que non seulement il y en a plein qui sont réalisables, mais il y en a plein dont on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Moi, il y a une proposition que je trouve géniale. Je vais la dire et tout le monde va se dire, mais c'est vrai. Il dit une chose simple sur les médicaments. Sur la santé. Il faut retirer dans le monde entier les médicaments du système marchand. C'est une chose qui est tellement évidente que ce n'est pas normal qu'on fasse du fric sur la santé, le médicament. Retirer le médicament, créer un service public en France déjà et dans le monde. Mais non, les labos ne travailleraient plus. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, une minute. D'abord, dans le monde. Pasteur, mais en France, on pourrait décider, ça suffirait. Il serait dans le domaine public. Donc on inonde le domaine, on inonde des brevets. Mais alors dans le monde entier, alors il faudrait. Alors, bien sûr. Qu'est-ce qui a marqué sur le médicament? On va honorer les gens. Le type a un salaire, il est comme un professeur, il a un salaire, il fait un service public. Ah, et en plus, on va peut-être le gratifier, parce que c'est important de gratifier les gens. Il y aura son nom. Il n'y aura pas X-prime machin truc, il y aura docteur... Et parfois, il y a des petites mesures qui paraissent simples, mais... Il y a des mesures où on se dit, ben oui, pourquoi pas, c'est vrai que ce serait bien, mais qui ne sont pas applicables. L'interdiction des marques dans les lycées. Alors, vous allez avoir un tollé des parents, des gosses qui vont dire, mais non, moi, je veux mes chaussures avec mes... Ah, c'est pas les prénoms, c'est pas les types qui s'appellent Marc qui peuvent aller au lycée. Mais c'est vrai qu'après tout, c'est bien l'interdiction des marques. Alors, c'est l'uniforme. Non, c'est juste pas de marque. S'il vous plaît, ben voilà, il n'y a pas marqué le truc. C'est tout. Alors la marque, ça devient chic d'ailleurs la marque, hein, c'est planqué. Mais simplement, il n'y a pas cette cavalcade folle. C'est quand même invraisemblable. Il faut quand même voir, bon, il y a des gens, ils s'en foutent. Mais il faut voir ce que ça représente, la pression des marques sur les gamins, dans les budgets des familles qui n'ont pas de fric. J'appelle pas modeste, moi j'espère que les gens modestes sont orgueilleux. Enfin, c'est-à-dire les pauvres. Stevie, alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Je me pose quand même des questions quand vous dites que tout le monde a le droit à avoir des yeux, à avoir des belles dents, etc. Avoir une belle vue, enfin une vue correcte, etc. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Parce que vous prenez des mesures comme augmenter les infirmières, mais vous allez trouver où l'argent? Étant donné que le pays est endetté de 2000 milliards d'euros et de 3% sur le produit intérieur brut. Sur quel budget allez-vous faire des économies pour reprendre cet argent, pour rebasculer dans un autre budget? Sur le vôtre. Non, c'est une mesure sérieuse. On va t'arracher les dents et on va les... C'est bien beau de dire, moi, je donne. Mais derrière, il faut trouver où on trouve le budget. Je chiffre les choses, je parle de
grands travaux, je parle de grand emprunt. Je suis absolument certain que si on rechiffre les choses, on arrive à des économies. Si on refait société, s'il est décidé de refaire société tous ensemble, je suis absolument certain qu'on trouve l'argent. Moi, je parle d'une retraite calculée sur l'espérance de vie et la pénibilité des métiers. Ça veut dire qu'il y en a qui feront peut-être, 47 ans. Moi, je m'excuse, je suis architecte. Ça rend indestructible. Le meilleur à 97 ans, il construit encore. Donc, c'est un métier formidable. Il y a des gens qui ont des métiers hyper pénibles. Et on ne peut pas calculer la retraite comme un couperet qui marche avec, de la même manière pour tout le monde. Ben moi, je trouve que vous êtes un petit peu patent. Mais alors, le problème, c'est que vous ne pouvez pas être élu parce que vous n'êtes pas assez connu. Alors, prenez-vous... Ouais. Attendez. Une minute. Ma solution. Ah. Vous prenez un présidentiable, parce que malheureusement, il y en a quelques-uns qui disent beaucoup de conneries. Et... vous lui tapez sur la tête jusqu'à ce qu'il prenne vos idées. Mais ça marche pas, ce truc-là. On va s'intéresser justement à 2007, puisque vous êtes candidat officiel. Je vais vous montrer quelques personnalités candidates. Vous allez me dire un mot sur chacun et me dire si éventuellement vous seriez prêt à travailler. François Bayrou. Courageux. Christine Boutin. Réac. Olivier Besancenot. Sympathique. Très bien, on va vite comme ça. José Beauvais. Joker. Paysan. Le président Chirac, on ne sait jamais, il va peut-être se représenter, vous y croyez? Non. Non? Il n'ira pas. Il n'ira pas. Bon. Laurent Fabius, qui a pris une tôle hier. Prudent. C'est-à-dire? Il est prudent. Oui. Vous voilà. Aussi, vous ne voulez pas vous faire casser la gueule par Miller? Non, il est prudent, vous me demandez de le caractériser, il est prudent. François Hollande. Prudent. Vous pourriez travailler avec François Hollande? Il est plus... Non. Vous êtes, au fait, vous êtes, peut-être, vrai, vous peut-être. Êtes, vous êtes vraiment fait pour la politique. Vous êtes très langue de bois tout à coup. Oh non, je ne suis pas langue de bois du tout. Bien sûr, Pierre Bénichou un peu. Non, Lionel Jospin. Oui. Imprudent. Ah. Il a imprudemment décidé de partir. En fait, ça sera lui, évidemment, candidat socialiste. Le recours est là. Vous croyez vraiment? Bah, évidemment. Arlette Laguiller. Éternel, éternel. Éternel. Jack Lang, candidat, lui aussi possible. Branché. Branché, oui, ça, d'accord. Branché, branché. Vous pourriez travailler avec Jack? J'en ai sert à rien, quoi, branché. Enfin, je pourrais faire travailler Jack, mais... Ségolène Royal. Courageuse. Ah, Nicolas Sarkozy, un mot. Incendiaire. Infidèle. Infidèle. Vous pourriez travailler avec lui? Non, non, non. Dominique de Villepin, est gaulliste. Ah, je mets à la culture. Hein. À la culture. Ouais, oui, pas mal. Et cultivé, cultivé. Aussi. Philippe de Villiers, pour terminer. Philippe Soler, ça avait un mot assez joli pour qualifier ce genre de personne, la France moisie. Vous pouvez aussi relire Roland Castro, j'affirme, mouvement de l'utopie concrète. C'est encore en librairie. Oui. On vous remercie, Roland Castro. Vous ne connaissez peut-être pas Super Senior. Super Senior, c'est le nom de la nouvelle émission de télé-réalité qui cartonne depuis un mois chez nos amis les Suisses. Le principe, 13 seniors âgés de, on les appelle comme ça maintenant, des seniors âgés de 60 à 77 ans, 6 hommes, 7 femmes, qui doivent cohabiter pendant 2 mois afin d'écrire et de mettre en scène une revue traitant avec humour de la vie des retraités. Le programme est un succès mais provoque aussi quelques remous en Suisse puisque ces personnes âgées-là n'hésitent pas à dire des gros mots et à parler de sexe, comme quoi toutes les personnes âgées suisses ne sont pas bien helvètes. Pour parler ensemble de Super Senior, une émission présentée par Flappy Flamand et Benjamin Cassapipe, accueillons la productrice de l'émission suisse ainsi que deux candidats de cette émission de télé-réalité helvétique, Béatrice Barton, c'est la productrice, Mireille et Pierre, les candidats. Nos amis suisses nous regardent aussi. Je ne sais pas à quelle heure passe votre émission en Suisse, mais il se trouve que nos voisins nous regardent aussi sur France 2 et peut-être qu'ils regardent à la fois notre émission et la vôtre. Absolument, on reçoit des messages d'ailleurs. C'est vrai. Des Français, oui. Et ils vont être contents donc de vous revoir ici. Nous, on ne vous connaît pas bien, évidemment. Je propose qu'avant peut-être qu'on parle ensemble, on regarde un extrait, quelques extraits même de votre émission. Comme ça, on va mieux situer de quoi on parle. Regardons quelques extraits de Super Senior. 1, 2, 3. Vous avez 3 semaines pour écrire un spectacle de 3 quarts d'heure. C'est une revue qu'on fait, on est d'accord.
Louis, tu souris un peu. C'est pas parce que tu étais le chef, le grand chef de Genève, qu'il faut croire que t'es le grand chef d'ici. Quand même, espèce de pourri d'orgueil. Nous les seigneurs, on aime la vie. Super seigneur. Je comprends que ça marche, hein. Je comprends que ça marche, ça donne envie. Alors, c'est pas tout à fait comme la Starac, hein, faut bien expliquer. Ah, c'est pas comme la Starac. La non, différence, mais... c'est quoi? Bah, d'abord, nous... Ils ne sont pas filmés 24 heures sur 24? Non, ils ne sont pas filmés. Il n'y a pas de caméra cachée, il n'y a pas de diffusion en direct, il n'y a pas d'introduction d'éléments perturbateurs pour qu'ils s'engueulent. Ils s'engueulent déjà tout seuls comme ça, donc ce n'est pas nécessaire. Et puis bon, nous, on est un service public, comme vous d'ailleurs, peut-être vous pourriez en prendre de la graine, mais c'est vrai qu'on fait une télé-réalité qui est soluble dans le service public, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, alors comment vous êtes inscrit, comment vous en êtes arrivé là? J'ai envie de vous demander, je commence par Mireille. Ouais, alors... Ils vont déjà se marrer, les Français, avec mon accent. Pas du tout. Non, mais vous arrivez pas, hein, vous non, les Français. Pas vrai. Non, vous arrivez pas. Mais moi, j'ai vu ça. Vous fumez, en plus. Ouais. Ah ben ça fait des brins. Oui, mais attendez, ils fument. On a le droit à la télévision aussi. Suisse. Oui, on a le droit. Ouais. Il faut cacher les paquets de cigarettes, mais on a ouais, le droit de fumer. Ils ont dû flouter. Bon, alors comment vous en êtes arrivé à participer à une émission de télé-réalité, Mireille? Mais... Je peux dire votre âge, 62 ans? Non, c'est pas... plus. Ah, bon? Il va avoir 64 au mois de janvier. Oh bon, très bien. Ouais. Non, mais vous comprenez, ils ont eu de la facilité chez nous en Suisse. Pourquoi? Parce qu'après les canicules, oui. Nous, on est restés. Oui. Tandis que chez vous, il n'y en avait plus beaucoup. Hein. Ah, vous les avez castés. On sent que vous n'avez pas pris n'importe qui. On est des rescapés. Qu'est-ce que vous faisiez avant de participer à cette émission? Ouh là là! Ben, on a retraite. Oui, retraite. Mais avant, oui. Avant ben, j'étais caissière communale puis perceptrice des impôts. Aïe. Aïe. Ça, c'est déjà mal. Hein. Oui, oui. Ça, c'est foutu. Bon, et vous amusez dans cette émission? Oh, super. Ouais. Oh, oui, on a bien bouffé, on a bien ri, mais on n'a pas été payé. Est-ce que vous entendez bien avec Pierre? Ouais, ouais, lui, il est un peu colérique, c'est l'intello. Ah ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est tout bible. Hein. L'intello, urologue, voilà. À la retraite? À la retraite, oui, depuis 5 ans, à la suite d'un petit ennui de santé, ça arrive aux médecins aussi. Et je me suis toujours intéressé au théâtre, j'en ai fait 11 ans autrefois en amateur. Et j'ai décidé de reprendre le théâtre. Et puis, c'est un ami qui joue avec moi qui m'a dit « Inscris-toi pour les super seniors ». Et finalement, on m'a poussé, j'ai posé ma candidature pour lui faire plaisir. Voilà comment je suis arrivé là. De ma vie, je n'ai jamais autant ri, je ne me suis jamais autant engueulé. Et puis, on a bien travaillé quand même. Il y avait la gageure de réussir cette revue. Et c'est l'aspect théâtral, finalement, qui m'a intéressé. Mais vous êtes jeune, quand même 64 ans, c'est jeune aujourd'hui. Ben oui. Et vous, justement, Pierre, quel âge vous avez? Moi, j'ai 65 ans. Moi, je vous trouve vachement beau mec. Hein. Merci, Christine. Ah, c'est... Vous êtes complètement mon genre, alors je vais vous dire... C'est vrai que vous ressemblez un peu à Paco. Oui. Ah, oui. Le Paco suisse. C'est qui, Paco? Le plus âgé des 13 de la bande, c'est... Il 77 a... ans. C'est celui qui fait le plongeon en ski nautique, là. 77 ans. Il a fait un premier plongeon, ouais. Mais il est reparti sur ses skis, ouais, et il a passé 3 bouées. Il faut le faire à 77 ans. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des histoires de fesses? Ça j'attendais. Il n'y a rien eu. Non, c'est pas possible. Mais non, c'est tout des vieux, vous les constatez, des vieux. C'est vachement malheur. Non, Mireille, c'est vachement bien, les vieux. Ça a de l'expérience. Bon, c'est... Alors, ça prend du temps, hein. Gérard Miller, vous qui êtes contre la télé-réalité, est-ce que vous êtes aussi contre Super Seigneur? Écoutez, je n'ai jamais vu l'émission. Si on me dit c'est de la télé-réalité, je déteste. Mais j'ai regardé un petit peu le dossier. Il y a un des éléments les plus insupportables de la télé-réalité, qui est l'élimination des candidats, le côté compétition et élimination, ils l'ont tout de suite, si je puis dire, supprimé. Bon. Ouais. Donc, c'est ils ne s'éliminent pas entre eux. Ils s'éliminent naturellement. Voilà. C'était... Non, mais ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Justement, c'est peut-être plus difficile. C'est-à-dire que des gens qui sont éliminés le méritent, on peut dire, parfois. Tandis que nous, on a signé un contrat comme quoi on restait.
Et ouais, mais toi, t'as voulu me foutre dehors parce que je fumais, hein. Tu peux bien faire tes théories, hein. Alors, c'est des fois plus difficile. On a vécu des moments très chouettes, mais on a vécu des moments très difficiles. Et parfois, si tout le monde avait pu partir, on serait peut-être resté 4 sur 13. Ouais, mais on pouvait plus faire la revue si on était éliminé. Ouais. Est-ce que je peux juste alors faire une suggestion? C'est que si cette émission est aussi sympathique, moi, je serais pour qu'on mélange les vieux, entre guillemets, et les jeunes, entre guillemets. Pourquoi faire des trucs de ségrégation, laisser les gens au-dessus de 60 ans? C'est une bonne idée. Il n'y a aucune raison. La vie mélange les générations. De toute façon, ça fait des années... Ici, on va le redire à Catherine Barma et à France Télévisions que nous-mêmes, on se propose de partir pendant 2 ou 3 mois, toute l'équipe, il y a tous les... Non mais c'est vrai, il y a tous les... Il y a tous les genres, tous les âges, toutes les orientations sexuelles, tous les avis politiques, de Claude Sarraute à Stevie, en passant par Gérard Miller, Gueluc, moi et les autres. Si on nous enfermait pendant 3 ou 4 mois, je pense qu'on peut faire un bon programme de télé-réalité. Je sais pas. Hein? Regardez déjà. Il nous enferme 1 heure chaque jour. Et voyez ce que ça donne. Imaginez 3 mois. C'est ce que je voulais dire. Hein, ça ne durerait pas longtemps. Vous savez, moi j'ai une info que personne n'a encore vu passer. Malheureusement, nous ne serons pas là tous pour le voir. Mais les producteurs du Premier Loft sont en train d'imaginer un projet pour dans 50 ans. Dans lequel ils vont prendre tous les protagonistes du Premier Love. Donc le vieux Stevie, la vieille Loana, etc. Et ils vont les remettre tous ensemble. Ils vont refaire une scène dans la piscine avec Loana à poil. Et donc ils préparent déjà ça. Et je me réjouis pour ceux qui le verront. Isabelle, vous en pensez quoi? Bon, j'aime bien cette émission parce qu'elle tord le cou à une des pires idées reçues d'aujourd'hui, à savoir... Le fait que quand on vieillit, on se dévalorise et qu'on est dans une société qui avance à reculons en regardant vers la jeunesse au fur et à mesure qu'elle s'éloigne et que c'est très malsain. Alors si grâce à vous, on peut regarder vers l'avenir et vers le fait que vieillir, ça n'a pas que des mauvais côtés, il y en a aussi des très bons, je trouve ça très positif pour tout le monde. Donc bravo. Ouais. Merci. Suzy, ça vous fait marrer? Les extraits que j'ai vus, je trouve ça bien. Mais après, quoi dire? C'est que moi, je l'ai vécu. Enfin, ça restera toujours une expérience extraordinaire. Et je trouve l'idée plutôt bonne et sympathique. Et il y avait des gens qui avaient beaucoup d'humour parmi nous. Un jour, j'ai poussé une grande gueulée, là. Et il y en a une qui m'a dit, tu sais, Pierre, si tu t'es énervé, c'est parce que les spermatozoïdes te montent au cerveau. Alors moi, je me suis dit, en tant qu'urologue, j'ai jamais entendu cette explication. Et puis j'ai ajouté, j'ai remarqué que j'avais grossi, c'est peut-être aussi à cause des spermatozoïdes. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. La productrice que vous êtes, Béatrice Barton, a quand même fait un petit truc malin au début de cette série, c'est qu'il n'y avait pas assez de chambres pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même qu'il y ait cohabitation dans certaines chambres. Oh là, ça t'est un cata, là. C'est le seul élément perturbateur qu'on a introduit, mais ça a duré une semaine, même pas une semaine. Hein. Parce que finalement, ils ont accepté de dormir ensemble, comment ça s'est passé? Oui, ils ont accepté, oui, tout à fait. Ils ont fini par se... Bah, bien fait. Oui, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, on gonfle, on se lève tout le temps la nuit, on a besoin d'allumer la lumière, c'est très compliqué. Vous avez dit, ils m'ont foutu avec l'invalide, j'en voulais pas. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. C'est écrit dans... C'est non, mais alors ça, ils vous ont raconté des bobards, là. Ah bon, d'accord. Avec qui vous êtes retrouvés, avec l'invalide. Mais non, mais si c'est sur le site, ça. Oui, mais attention, c'est parce que tout le monde s'était casé dans leur pion, il y en a qui ont dit, moi je vais dans une chambre seule, puis après on s'est retrouvés là. Ah. Alors, ils m'ont on s'est arrangé avec l'invalide, j'avais rien contre elle. Mais alors, le lendemain matin, elle éternue à 6 heures. J'ai failli tomber en bas le plumard. Elle a réveillé tout l'étage. Alors après, bon, ils lui ont fait une petite fleur, ils l'ont mis dans une autre chambre, et puis comme ça, j'ai eu la paix. Voilà. Alors... Je pouvais fumer mes clopes. Est-ce que, comme pour la Starac, vous imaginez déjà, ou le Loft d'ailleurs, vous imaginez déjà une sorte de Super Seigneur 2, Super Seigneur 3? Non, moi je n'aime pas faire deux fois la même chose, donc il n'y aura pas de deux. Bon, bon, vous remercie en tout cas d'avoir accepté de venir parler de votre succès suisse chez nous en France. Merci. Et d'avoir amené deux de vos principaux candidats. Je vois qu'en tout cas, vous avez réalisé un bon casting. Merci à vous d'avoir fait des questions. Notre invité d'honneur pour ce soir est un jeune premier
Son nom, c'est Charles Aznavour. Ça vous dit peut-être quelque chose. Le mois dernier, le grand Charles a sorti Insolitement Vôtre, un album tiré d'une comédie musicale composée et écrite par lui-même il y a de cela déjà 5 ans. Vous y trouverez sur cet album 15 titres inédits, dont de superbes duos avec entre autres Isabelle Boulay, Hélène Ségara ou encore Annie Cordy, sa complice de toujours. Aujourd'hui, Charles Aznavour sort également Images de ma vie, un superbe album de photos, un recueil de photos prises par lui-même tout au long de sa vie. Deux occasions, donc cet album de photos et cet album de chansons, deux occasions de recevoir Charles Aznavour. Ça va? Non, ça va. Non, c'est trop. Non, si vous commencez comme ça, qu'est-ce que ce sera quand il sera célèbre, alors? Ça vous fait toujours plaisir? Toujours. Toujours. Oui. L'accueil Et aux gens aussi, parce que ça leur permet de se dégourdir les jambes. Et faire des mouvements, les exercices du matin ou du soir. Bon, il y a quelqu'un qui est particulièrement heureux sur ce plateau, et plus précisément heureuse, c'est Christine Bravo. Elle m'a dit « Ah, oh, Charles Aznavour, Charles Aznavour !» Alors là, vous n'avez jamais rencontré Charles Aznavour? Si, mais moi, je l'adore, je fais l'amour avec lui. Dans tes rêves, tu veux mais dire? Non, pas dans mes rêves du tout. C'est que j'ai jamais passé une nuit avec un homme sans passer Charles Aznavour en fond sonore. Ah. Je vais vous dire si vous passez souvent à la maison. Vous n'avez même pas écrit assez de chansons pour qu'elle en change à chaque fois. Oh, je suis Qu'est-ce quand que tu même. Passes, tu te laisses aller? Oh, je t'en... J'ai tellement aimé Charles Aznavour avant que je me disais, c'est pas possible que j'aime encore un album. Je suis bloquée sur les anciennes et je m'écoute ça en boucle. Et ça veut dire qu'elles ont exactement le même impact, la même force. Et que vous les écoutez deux fois, vous les chantez déjà. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est des tubes. Et pourtant c'est un album, alors comme on dit maintenant, un album concept quelque part, puisqu'il s'agit de chansons d'une comédie musicale qui ne s'est jamais jouée à Paris encore. Non, mais maintenant qu'on en parle, je commence à avoir des touches. C'était l'occasion en tout cas, cet album, de faire découvrir aux Français ces chansons que vous aviez écrites pour cette comédie musicale et de les interpréter en duo parfois avec des chanteuses que vous aimez bien. Bon, Annie Cordy, ça évidemment, on savait. On sait, oui. Isabelle Boulay, vous appréciez les jolies et belles voix et particulièrement quand elles sont émouvantes comme la sienne. Lio, c'est plus étonnant. Pourquoi? Je sais pas, parce que Lio et Charles Aznavour, on s'y attend pas forcément. Oui, mais moi je l'ai vu dans une comédie musicale il y a 3 ans, je crois. Je trouvais parfaite, j'ai pensé qu'elle avait un potentiel qui n'avait pas été exploité encore. Regardons ensemble un extrait d'une chanson, Quand tu m'aimes, c'est le duo avec Isabelle Boulay, c'est pas le pire des choix, croyez-moi. Ce sont ces tendres cris, ces plaintes d'amour qui déchirent nos nuits. Tout petit jour, dans le plaisir ultime, quand tu m'aimes, quand tu m'aimes, quand tu m'aimes, mon Charles. J'ai dû terminer 200 chansons par mon amour. Ah oui, mais on s'en lasse pas. Ben oui, c'est une bonne rime. Est-ce que vous avez aimé ces chansons, Isabelle Alonso? Moi, j'ai adoré parce que je suis très fan des comédies musicales classiques, hein, les années 50, Singing in the Rain, oui, tout moi ça. Aussi. Je voulais raconter une petite anecdote sur Charles Aznavour. Quand j'ai passé mon bac, après mon bac, j'ai passé un an en Californie, dans ma famille, avec qui je parlais espagnol et j'apprenais l'anglais. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois, ça faisait 6 mois que je n'avais pas entendu un mot de français. Et je travaillais dans une usine d'autocollants. Et un jour, dans cette usine, un des ouvriers est venu me voir, c'était un Arménien, et il m'a tendu un 45 tours. Et c'était un 45 tours de Charles Aznavour, c'était la bohème. Je suis rentrée chez moi, j'ai mis ce disque, c'était les premiers mots de français que j'entendais depuis Perpète. J'étais en larmes dans ma chambre et je me suis dit que c'était, qu'est-ce que c'est qu'être français à travers le monde? C'est d'avoir un Arménien qui vient vous apporter un disque d'Aznavour et qui vous rapporte un parfum de la maison, de la France. J'avais trouvé ça magnifique, quoi. Donc, je voulais... Nous avons failli faire un...
un film pour la télé où elle aurait été la Goulue. Valérie Mérès, la Goulue. Oui. Je voulais en parler. Ça lui aurait été merveilleux. C'est un de mes plus grands. Un de mes plus grands regrets, quoi. J'aurais joué la Goulue et il aurait été mon Toulouse. Ça aurait été merveilleusement bien. Et ça aurait été vraiment merveilleux. Je suis vraiment très touchée que vous vous en souveniez. Mais je me souviens de tout. Ça va, je me souviens. Il a une mémoire. Vous auriez fait Mimi patte en l'air. Mais non, moi, ce que je voulais raconter, c'est que vous êtes en train de faire de ma vie un enfer en ce moment, parce que depuis que je suis petite, je chante vos chansons, et notamment « On redevient la petite fille ». Parce que pour moi, je pensais toujours que pour séduire un homme, il fallait être une petite fille, alors j'ai longtemps joué là-dessus. Maintenant, je suis dans une merde noire, ça. Bonsoir, Charles. Bonsoir. L'album, en deux mots, c'est du Aznavour pur jus, j'adore. Je trouve aussi formidable comme votre voix est intacte. Ça n'a pas bougé, c'est incroyable, parce que vous avez tout de même au-delà de 60 ans maintenant. Et ça ne bouge pas. Comment se fait-il? Il y a des gens qui se mettent à chevroter tout de même à un certain âge, et vous, non. C'est comme... Je sais. Regardez Julien Clerc. Ben oui. Mais lui, il est... Et alors, il y a une chose... que j'adore et j'espère vous entendre ce soir sur un sujet, je ne sais pas lequel, mais je trouve que votre liberté actuelle est formidable. Vous avez tout fait, vous avez tout vu, vous avez chanté partout, vous avez tout connu, vous avez la gloire planétaire. Et dans des interviews, vous vous lâchez totalement. On vous demande, est-ce que vous aimeriez que vos petits-enfants reprennent un jour le flambeau? Je m'en tape le corniolon, enfin, ou quelque chose comme ça. Et vous y allez, vous balancez, et je trouve ça formidable. Ben alors, votre avis écoutez, sur les... On ne peut pas toujours déguiser ce qu'on pense pour faire plaisir à qui et à quoi. Pour être dans le mouvement, non. Je dis exactement ce que je pense. Parce que je crois que c'est là où est la vérité. C'est là où peut-être certaines personnes qui diraient trop de choses commenceraient à réfléchir. Gérard Miller, justement. quel bel enchaînement. Gérard, je n'ai pour lui, vous le savez bien, qu'un seul reproche. Ah. Je vais le lui dire en face. C'est quand il dit « Elle a chanté les chansons de Dalida » ou « Elle a chanté le répertoire de Dalida ». J'y tiens beaucoup à cause de mes camarades qui ont écrit les chansons et qui sont un peu touchés qu'on n'en parle jamais. Je suis très, très délicat sur ce que les auteurs et les compositeurs font. Vous avez raison. C'est tout ce que je vous reproche, c'est pas trop mal. Alors avant d'annoncer Gérard Miller, maintenant je vais donc donner, alors sur un texte de Laurent Fabius, une musique de Jack Lang, Gérard Miller. Une interprétation de Gérard Miller. On va parler d'un sujet, une seconde qui vous tient à cœur, parce que vous êtes une des rares personnes avec qui je peux en parler si facilement, c'est le problème du génocide arménien. Est-ce que vous avez l'impression que les Turcs, qui demandent tellement à venir dans l'Europe, ont progressé dans la reconnaissance du génocide arménien? Non seulement ils n'ont pas progressé, mais depuis deux jours, je sais qu'ils vont faire un procès à l'Église arménienne aux États-Unis parce qu'ils parlent d'une chose qui n'existe pas, le génocide. Et ça, je trouve assez extraordinaire. Je crois que peut-être ça sera un bienfait, parce qu'à force de dire qu'ils ne l'ont pas fait, à force de faire des procès, on va pouvoir ressortir toutes les archives qui se trouvent au Vatican, aux États-Unis, en Bulgarie, un peu partout, en Allemagne surtout. Il n'est pas question que la Turquie rentre dans l'Europe si elle ne reconnaît pas le génocide arménien. C'est-à-dire que là, je ne tiendrai aucun propos là-dessus, car ma décision est la suivante. Si je dis que je suis contre l'entrée de la Turquie, on dira que je suis arménien et c'est normal. Si je dis que je suis pour, les Arméniens diront que je suis un jaune. Je laisse le peuple français voter pour moi. Un mot sur cet album de photos, Images de ma vie chez Flammarion. Ce sont vos propres photos, c'est-à-dire que c'est... Oui, mes propres photos. Pas quand vous êtes sur la photo, quand même. Non, bien sûr. Mais sinon, ce sont mes photos. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. C'est vrai que, pardon de dire ça, l'âge permet des libertés de parole qu'on n'a pas forcément eues toujours, ou en tout cas de retrouver celles qu'on avait quand on était plus jeune. Et Stevie a noté, justement, quelques déclarations que vous avez eues sur différentes personnalités. Parfois, vous ne mâchez pas vos mots, Charles Aznavour. Alors, on commence tout de suite par la première déclaration, c'est sur Valérie Giscard d'Estaing. Vous avez dit « Giscard ne m'a jamais rien donné, pas même un petit diamant. » Ah oui. Si je peux dire qu'il m'a donné quelque chose, des ennuis. Ça, j'ai eu.
La télé-réalité dit sordide. D'ailleurs, je ne regarde plus la télé. Non, c'est à l'heure, il y a des chaînes que je regarde quand il y a quelque chose d'intéressant. Oh, vous êtes gonflé, vous êtes allé à la Starac. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez contre la Starac? C'est la télé-réalité. Ah bah non. Non, pas non, le spectacle non. du vendredi. Bref. Je suis pas d'accord. La Starac, ce que j'aime pas, c'est le titre. Parce que c'est un titre qui est faux. Mais sinon, c'est un bon moyen pour voir des jeunes. On n'en voit nulle part ailleurs. Seul à la Starac, on vous présente des jeunes. Et puis, Pascal Sevran. Ce sont les deux. Mm-hmm. S'il n'y avait plus d'émissions de variété, peut-être que j'aimerais moins la Starac. Avant, un acteur de 50 ans pouvait jouer des personnages de 25 ans. Aujourd'hui, c'est fini. Alors, ils se font refaire le visage et finissent par ressembler à des canards laqués avec les cheveux teints. Et à la télévision, le cheveu teint fait bleu de couleur. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'Américains qui ont les cheveux bleus. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Non, je ne dis pas de nom, moi. Vous dites pas de nom. Mais si, sur, allez, ce, mais lâchez, sur ce plateau. Sur ce plateau, s'il y en a un qui se teint les cheveux, à votre avis, c'est lequel? C'est pas vous. Non. S'il y en a un qui s'est fait faire le nez, c'est pas moi. C'est toi. Non. Non, toi, t'as fait le bas, toi. Non, mais attention, je pardonne aux femmes ce que je ne pardonne pas aux hommes. Les Français ne sont plus des découvreurs. Ils arrivent toujours après la victoire. Ils sont repus de tout. Ils ne se bougent que lorsqu'il s'agit d'enfiler la dernière chemise à logo à la mode ou se précipiter dans le dernier restaurant branché où l'on vous sert un petit pois sur une tranche de saucisson. Les Français sont curieux pour des conneries. Oui. Mais c'est oui, moi, quand je vais dans un restaurant, c'est pour manger. Ce n'est pas pour payer et voir des têtes. Je vais pour manger. Je vais avoir, je sais pas, je suis. Le président aime la tête de veau. J'aime la tête de veau. J'aime le riz de veau. J'aime le ragoût de mouton. Enfin, j'aime tout ça, quoi. Mais j'aime pas le petit machin. Et alors, vous avez les modes. Pendant toute une époque, la mode, c'était la coquille Saint-Jacques. Alors, vous avez la coquille Saint-Jacques à toutes les sauces. J'ai horreur de la coquille Saint-Jacques. C'est les restaurants qui m'en ont dégoûté. Et juste parce que j'ai des personnes qui vous adorent. Et la question qu'on m'a demandé de poser, je vais vous la poser quand même, c'est que fait Charles Aznavour la journée? Il se lève à quelle heure? Il se couche à quelle heure? Et qu'est-ce qu'il fait entre les deux? Une journée type. C'est intéressant de savoir. À 7h du matin, je suis debout. Tous les matins, 7h? Tous les matins. Et je ne descends pas tant que je ne suis pas nickel. Habillé, préparé, pomponné, parce que je pense qu'on doit ça à son épouse. Elle ne dort pas avec vous, donc? Non, nous faisons chambre à part depuis pas longtemps, mais... je ronfle la nuit. Et l'après-midi? Je prends le petit déjeuner avec la famille et puis j'écris. Je m'arrête pour déjeuner, je déjeune avec ma femme régulièrement. Ensuite, je travaille encore. À heure fixe, tous les midis. Et le soir, on s'arrête à vos heures. Pour nous regarder. Ce qui fait que je vous vois. C'est vrai? D'accord. Oui. Oh, maintenant, je ne vais plus oser dire de conneries. Tu parles! Ne changez rien, c'est pour ça qu'on vous regarde. Vous allez jouer avec nous, tout à vous, tout à vous, quoi. Regardez, la France, que c'est possible de marquer des points en tête dans la première partie du classement. Vous avez Christophe Alévèque, Jean-Luc Lemoyne, même Stevie est troisième, quatrième. Bon, avec 13 points, Isabelle Alonso, Gérard Miller sont dans une bonne moyenne. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Valérie Mérès. Isabelle Motreau et Jean-Bernard Hébé s'étant réveillés cette semaine, ils ont marqué chacun 2 points et vous êtes désormais la lanterne rouge du classement, Valérie. Ben évidemment, je ne suis pas encore venue cette semaine. Ah ben, alors, c'est l'occasion de vous rattraper. Ouais. Ce soir, première photo. À qui appartient ce chapeau? Oh, la reine d'Angleterre. À qui? Pierre Ier le Grand. Pourquoi Pierre Ier le Grand? Bah, je sais pas, parce qu'il est dans Annie la presse. Vous dites Camilla Parker. Béatrix des Pays-Bas. Béatrix des Pays-Bas, que je connais même pas, mais c'est pas elle. Bah, c'est la reine. C'est un tableau, c'est pas une photo. Bravo, on avance. C'est un tableau, c'est pas une photo. C'est le professeur qui a découvert le vaccin contre la grippe aviaire. Non. Est-ce que c'est une femme? C'est une femme, oui. Marie Curie, oui. Bien sûr, c'est des soirées costumées, on ne sait pas. Bien sûr. Les soirées costumées de Marie Curie. Ce n'est pas Story Cassin. C'était une fameuse déconneuse, hein, la Marie. Mais c'est la reine, on reconnaît les fameuses plumes de poulet au curry. La reine d'Espagne. Non, mais c'est une tête couronnée. Non, c'est un tableau qui a été vendu aux enchères cette semaine. Non, si je vous montre cette peinture, c'est parce qu'on célèbre le 250e anniversaire de la naissance de cette dame. Ah, c'est une dame. Donc elle est née. Madame de Troubadour. Non. Madame de Sévigné. Madame de Troubadour. Madame de Troubadour.
Marie-Antoinette. La première à avoir bien répondu, à avoir dit Marie-Antoinette, c'est Isabelle Allemand. Madame de Troubadour, qui allait régulièrement aux fêtes de Marie Curie. Pompadour. Pompadour. La femme du président, Claude Pompadour. Pompadour. Photo suivante. Qui est à côté du Dalai Lama? Richard Gir, non. Maradona. Un français, Maradona. Vous savez que le Dalai Lama est dans l'actualité aujourd'hui. Ne serait-ce pas le président Bush? Pourquoi le président Bush? Parce qu'il a accueilli dans un couloir le Dalai Lama, alors qu'il y a une visite officielle de la Chine aux États-Unis. Exactement. Pense je. C'est exactement, mais ça c'est excellent tout ça, mais c'est pas le président Bush. Merde. C'est un Américain? Non. Un Français? Même s'il est souvent aux États-Unis. C'est un Français? Oui. Van Damme? Non. Le professeur Montagnier? Non. C'est le sportif français qui fait du... Alain Ducasse? Tony Parker? Alain Ducasse, un grand sportif français, Alain Ducasse. Ah. Tony Parker? Tony Parker? Non. Tony... Yannick Noah? Non. Bonne réponse de Philippe Guenu. Oh. Cet homme sur cette photo a l'air malheureux. Pourquoi? Alors déjà, il est dans un couloir. C'est Patrick Fiori? Non. Il est connu? Oui. Pourquoi? Il est à l'hôpital? Non. Il est dans un hôtel? Il n'est pas dans un hôtel. Dans un lieu public, il y a une sortie de secours. Il vient de s'acheter un hamburger, il sort d'un... Il est dans un hôtel, pardon. Il sort d'un examen de la vue chez un hôtel. Pardon. Il n'a pas reçu de prix littéraire. Non, il est dans un hôtel, il vient d'apprendre quelque chose. C'est Pierce Brosnan. Non. Il vient d'apprendre qu'il n'est pas sélectionné. Pas sélectionné, c'est pas... Bonne réponse de Gérard Miller. Dans l'équipe de France. C'est pas tout à fait ça. C'est un sportif? C'est un sportif. C'est un sportif. Un footballeur. Il va pas aux Jeux Olympiques? Non. Mais non, c'est pas ça. Mais attends, le temps que les deux se touchent... Il croyait avoir marqué un point et finalement, ça n'a pas été homologué le point. Non. C'est David Beckham qui vient de marquer les contus. Non, c'est pas ça, j'ai vu ce matin. Il devait se rendre à une compétition sportive et son avion a été annulé. Non, non, c'est pas ça. Non, il devait être en équipe de France. Au lieu de dire c'est pas ça, dites ce que c'est. Plus on me demande, moins j'y arrive. Oh. Il attend que les deux fils se touchent. On m'avait dit ça. Ils sont pas très doués, hein, Charles. Sa femme vient d'accoucher. Plus que moi, en tout cas. Est-ce qu'il est déçu à la suite d'une décision de justice, enfin d'un arbitre? Exactement. Quelque chose qu'il croyait avoir gagné, il ne l'a pas gagné. Non, ça, non. C'est un Français. Un rugbyman français. Il est interdit de jeu. C'est le mec qui a eu un mauvais geste pendant je ne sais quel match. Oui, alors il est puni et je ne sais pas son nom. Hey, comment il s'appelle? Il peut pas poser pour le calendrier. Non, c'est pas Thierry Henry. Il est pas rugbyman. C'est Fabien Beluche. Attendez, Charles me dit. C'est lui qui a donné le coup de coude. C'est lui qui a donné le coup de pelouse. Fabien Pelouse, bonne réponse. Photo suivante. À qui appartiennent ses mains? Au pape. À l'infante espagnole, à la princesse. À Léonore. Léonore, bravo. C'est moi qui ai dit que c'était l'infante espagnole. Non, c'est un point Isabelle Alonso. Ça, c'est dégueulasse. À chaque fois, non, je ne suis pas d'accord. Je convoque le Conseil de sécurité, ce n'est pas normal. Normalement, vous demandez toujours les noms. Vous demandez toujours les noms. Vous dites d'accord, c'est l'infante, mais comment est-ce qu'elle s'appelle? Allez, je vais être magnanime. Un point pour Isabelle, un point pour Steve. Voilà. Ouais, Laurent. Je voudrais tout de même présenter nos excuses au Vatican, parce que Stevie a tout de même dit que c'était les mains du pape. Or, ça se serait vu s'il avait béni la foule avec des petites menottes comme ça. Image de ma vie chez Flammarion, l'album photo de Charles Aznavour. Le plus important sont évidemment les nouvelles chansons inédites. Elles datent d'il y a quelques années, mais on ne les connaissait pas encore chez nous. Elles avaient été interprétées parfois sur scène dans cette comédie musicale qui a pour l'instant été jouée seulement à l'étranger, peut-être bientôt à Paris. 19 nouvelles chansons en tout. L'album s'appelle Insolitement Vôtre. Merci Charles. Merci. À demain. Merci à tout le monde.